Je suis à l'entrée du défilé Vanessa Bruno. Et voyez toutes ces voitures. En fait, ce sont des rédactrices de mode qui ont été transformées en voitures par les militants anti-fourrure. C'est une action qui est une sorte d'action artistique un peu à la César. Là, on reconnaît, on s'approche là-bas, Karine Roitfeld. Pourquoi ils ont fait ça? Eh bien, c'est simple. C'est une action qui vise à mettre bien en évidence la cruauté des gens qui portent de la fourrure. Effectivement, ils ont l'air ô combien stupides, ces porteurs de fourrure, quand on les voit transformés en voiture. On ne pourra pas nier que c'est beaucoup plus frappant à Suzy Menkès. Suzy Menkès, il n'y avait pas de fourrure ce jour-là. C'est beaucoup plus frappant, évidemment, que s'ils s'étaient contentés de le filmer tel quel. Fini sur une note très très belle.